Maman, regarde, je vole! T'as vu, maman, je suis sortie du nid. Oui, bravo. Que fais-tu? Je présente des courts-métrages. Cette fois, je les ai rassemblés autour d'un thème qui te va bien. Grandir. C'est pratique pour mes vieilles jambes. Oh. On devrait être dehors en train de croquer des méchants. Je suis un prédateur. J'ai besoin d'être libre. Tu dois apprendre à contrôler ton agressivité. On nous mettra en cage dans la zone 51. Tu vis dans mon corps, tu dois obéir à mes règles. Bon non, qu'est-ce qui m'a pris? Laisse-moi t'arranger ça pour mieux te le recasser. T'es un loser. Eddie Brock, je veux vous confier mon histoire. Les gens aiment les tueurs en série. Cletus, pourquoi moi? Ce qui est mien est vôtre. Et ce qui est vôtre est mien. J'ai déjà goûté au sang humain. Et ça, c'est autre chose. J'ai enfin ce dont j'ai toujours rêvé. Un carnage. Je ne suis pas un psychopathe. Je suis vraiment en colère. Tu vas. Ah, il est rouge! Dépêche-toi de sortir! Je te laisserai manger tout le monde! Promis! T'as ma parole! Youpi! Eddie, je te connais par cœur. Comme mon frère. Pourrais dire, je suis content pour toi. Ça aurait dû être nous. Je suis content pour toi. Non. Pardon, je suis désolé. Pas moi. Ils ont besoin d'une bonne thérapie de couple. J'ai sorti mon arme une seule fois. Je voulais le sauver. Je l'ai tué. Joyeux anniversaire, mon amour. Salut les jeunes. Salut Laurent, ça va Laurent? Comment il va? Alors ça va la petite? Très bien, ouais. Très bien. Et ta plainte, t'as des nouvelles? Ça me bouffe, franchement. On vient de dire qu'il manque 5 mètres carrés par vache. Elles sont mieux logées que moi, mes bêtes. On se va recommencer, hein, vos conneries, là. C'est de nous rebousiller des bêtes, là, comme la dernière fois. On veut juste le passeport de chaque bovin et le registre sanitaire, c'est tout. Vous voulez voir? Ben, regardez! Vous allez le retrouver vite. Il a pris le fusil. C'est bête, c'est toute sa vie. Qu'est-ce
ce que tu fais avec un fusil. On va discuter, on va trouver une solution. Écoute-moi, Julien, fais pas le con. Pose cette arme. Pense aux gens qui t'aiment. Julien, pose cette arme! J'avais jamais tiré sur personne. J'ai l'impression que tout ce que je vis là, c'est comme si c'était pas réel. Le gars m'a dit que papa était pas un gendarme mais un assassin. Gendarme, assassin! J'avais le doigt sous la détente. J'ai voulu le raisonner. Je voulais juste qu'il lâche son arme. Il nous abandonne là. Il est en train de faire une énorme connerie. Je voulais le sauver. Je l'ai tué. Jusqu'à 200 mètres. L'obélisque de Washington ne mesure que 169 mètres. En somme, c'est ça qui montera le plus haut. Mais vous êtes qui? Gustav Eiffel. T'as pensé l'exposition universelle? J'ai pas recommencé. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout. La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel ? Oui, pardon. Il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours ? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Son rayonnement. Sa place dans le monde. Pourquoi tu m'as pas tout dit? Lui, il m'aime. Je te parle pas d'amour. Je te parle de réputation. Vous voyez trop grand, trop haut. Tout Paris est contre nous. Ils en sont même à compter le nombre de morts que la tombe va faire en s'effondrant. Laurent, bougez-vous les oreilles! Et le scandale. Tu as pensé au scandale? Entreprendre, personne ne l'a jamais tenté. Nous allons construire un rêve. Cette tour, les gars, c'est celle de la France. C'est surtout la vôtre, la nôtre. C'est ensemble qu'on l'a commencé. C'est ensemble qu'on va l'achever. Ouais. Adrien,